Alright. Alors, bienvenue au monde de la course. Maintenant, cette semaine, on est juste avant le championnat provincial de 10 000 mètres. Et ça faisait plusieurs semaines que je voulais recevoir Anthony, plusieurs mois en fait. Puis là, on essayait de trouver des dates. Puis là, ça marchait toujours pas. On avait essayé au dernier 5 000 mètres, soirée au genre 1, mais là, finalement, moi, je pouvais pas. Et là, enfin, on a réussi à trouver un moment qui nous convenait. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation de venir juste avant ta job de l'alpinage ce soir. Et dans le fond, pour commencer cet épisode, je vais commencer avec la question que je pose toujours d'habitude à mes invités quand j'ai reçu pour une première fois. Donc, comment est-ce que tu es entré dans le monde de la course? Bien, en fait, moi, j'ai fait un peu du hockey puis du baseball quand j'étais jeune. Puis mes parents, assez tôt, là, ils se sont séparés. Puis là, ils ont déménagé assez loin l'un de l'autre. Donc là, ça m'a amené à faire du sport une semaine sur deux quand j'étais très jeune. Puis là, j'ai dû arriver à un certain âge, tu peux plus continuer comme ça. Les coachs, ils acceptent pas vraiment ça que tu sois là une semaine sur deux. Donc, j'ai arrêté le sport à peu près en secondaire 1. Puis, t'sais, je suis resté quelqu'un qui aimait beaucoup bouger, mais quand t'es pas inscrit dans une ligue ou quelque chose, puis je faisais pas non plus de sport à l'école. Donc, j'ai été assez sédentaire là, pendant mon secondaire. Mais à tous les automnes, quand il y avait le cross-country à l'école, j'aimais ça comme pousser la machine plus que les autres. Là. Beaucoup y allaient à reculons. Moi, j'aimais ça comme finir, puis vraiment aller tester mes limites. Puis en secondaire 5, j'ai eu un professeur d'éducation physique qui aimait beaucoup la course. Puis il a décelé ça un peu en moi là, que j'aimais ça pousser la machine. Fait qu'il m'a motivé à faire le 10 km Université Laval, qui a été ma première course, pas dans un cadre scolaire. J'ai fait 46-50 là, à 16 ans. Puis Un 10 kilos? un 10 Ok, kilos. quand même, quand même. Puis sûrement qu'à ce moment-là, ça aurait été mieux pour moi de faire un 5 ou en tout cas, j'avais sûrement même jamais joggé la distance avant de faire la race. Là. Classique coureur débutant qui veut faire la plus longue distance. C'est correct, c'est même que ça commence. L'été suivant, je me suis inscrit à un demi-marathon. J'ai fait 1h40. Puis c'est vraiment quand je suis rentré au cégep là, que j'ai découvert le cross-country. J'ai développé là, vraiment des bonnes affinités avec Jean-Simon Fournier-Dufour, avec lequel j'ai fait mes 2 années collégiales puis mes 5 années universitaires avec lui. On est devenus vraiment des bons amis comme ça. Puis je me suis développé un peu comme coureur à ce moment-là, avec la première fois que j'avais une planification puis ces choses-là. Mais mes 2 années collégiales, je courais 3 mois dans l'année. Le reste de l'année, je faisais rien. T'sais. Fait que je progressais de août à octobre, mais après ça, je faisais rien le reste de l'année. Quand je suis arrivé à l'université, là, j'ai fait la première fois de l'athlétisme. Dans le fond, j'ai fait de la saison de cross-country. Après ça, j'ai fait la piste intérieure. J'ai fini ma première année universitaire là, avec 9-16 puis 4-19 au 1500. Fait que, tu sais, avec ces temps-là, aujourd'hui, je serais même pas bon dans le club de développement. J'aurais même pas fait l'équipe de cross-country non plus. Aujourd'hui, ça prend en bas de 34 minutes à peu près pour faire l'équipe du Rouge et Or. Puis moi, à ce moment-là, je valais peut-être 38 quand je suis rentré à l'université. Donc, le contexte a fait en sorte que j'ai pu me développer, même en arrivant à un niveau très ordinaire à l'université, parce que c'était pas encore élite. Puis moi, dans le fond, ben, j'avais besoin de temps puis d'entraînement beaucoup parce que j'ai commencé très tard pour me développer. Puis là, c'est vraiment. Il y a eu un point tournant, dans le fond. Après ma 2e année universitaire, je pensais tout arrêter parce que je trouvais ça très prenant. Puis j'avais le goût de faire d'autres sports. Puis ça ne me tentait pas de me consacrer à ça. Puis finalement, je suis parti en voyage. Puis ça m'a manqué. Puis depuis que je suis revenu de voyage là, cet été-là de 2011, ben là, j'ai pas arrêté, dans le fond. Là, pas arrêté plus que 2 semaines depuis. Puis là, ben, mon corps me l'a bien rendu là, avec une belle progression au cours de mes années universitaires. Puis c'est ça. Ensuite, là, j'ai eu la chance, là, grâce à Charles-Philibert Thibuteau, d'avoir une commandite à ZIC en finissant mes années universitaires. Puis on avait un beau petit groupe d'entraînement à ce moment-là avec Maxime Lapierre, Vincent Ouamé puis Patrice Hamelin.
on s'entraînait pour du demi-marathon à l'automne, puis de la course sur route 5-10 durant l'été. Puis ça a fait son chemin là, pendant 2-3 ans, on progressait bien sur demi. Mais depuis, je te dirais, 3 ans, je m'entraîne pas mal tout seul. Là, depuis que Max il a eu une blessure qui l'a gardé beaucoup à l'écart, ben là, il a perdu beaucoup de motivation à cause de ça, puis c'est comprenable. Puis moi, le fait que je continuais à améliorer mes marques, ben j'ai décidé de continuer. T'sais, la vie avance, puis il y a peu de... Nous, on est deux post-collégiates qui ont continué. Je suis un peu plus vieux que toi, mais quand même, ta réalité a changé. Puis moi, elle a changé plusieurs fois avec maintenant deux enfants. Puis j'ai réussi, justement, là, grâce à des commandites, des gens qui me soutiennent. C'est pas nécessairement la différence que ça fait au niveau de l'argent, mais c'est plus au niveau d'un sentiment d'appartenance, puis de dire que tu veux performer pour quelque chose de plus grand que toi. Là. Puis c'est ça, là, c'est d'améliorer mes marques, puis de voir jusqu'où je peux me rendre. Parce que moi, c'est ça qui me motive, là, c'est les records, parce que ça reste, là, t'sais, pour savoir. Puis tu trouves ça comment? C'est ça, avant, tu t'entraînes avec le groupe, le crew. Moi, en tout cas, c'est le feeling que j'ai avant. OK, j'étais avec le crew de McGill, on fait tous nos entraînements ensemble. Puis là, t'es soit avec un gars ou là, maintenant, tout seul parce qu'il est blessé. C'est comment ça? Comment tu deals avec ça? Ben en fait, en ce moment, je voudrais pas que ça soit autrement parce que j'ai tellement de contraintes dans mon horaire que il faut que ça soit comme ça parce que je vais courir quand j'ai le temps. Puis ça veut pas dire que je vais couper les coins ronds dans ma planif parce que moi je suis très strict là-dessus, mais je vais y aller dans la petite fenêtre qui s'offre à moi, ben je vais aller à ce moment-là. Je peux parler un peu de comment je concilie ça avec la job parce que j'ai la chance, on pourrait dire, là, d'avoir un travail qui m'offre un peu des trous dans mon horaire parce que je suis enseignant, mais j'ai pas un poste à 100%, donc j'ai souvent des court moment dans la journée où je peux quitter, ben je m'arrange pour que comme 4 minutes après que le dernier élève ait quitté la classe, je sois changé puis je sois en train de jogger, tu sais, pour pouvoir maximiser mon volume dans ma journée parce que une fois que ma journée de travail est finie, je vais chercher ma plus grande à la garderie puis après, il faut que mes entraînements soient terminés la plupart du temps. Là, fait que souvent, une fois par semaine, j'ai un training de groupe sauf quand c'est la période marathon, là, mais sinon, là, c'est vraiment le seul moment où j'ai un horaire fixe à suivre. Sinon, le reste, j'y vais quand j'ai le temps. Là. Donc, ça va un peu avec une des questions qui est revenue beaucoup. On avait Olivier Roy-Bergeon qui te demandait mais ça, comment est-ce que tu t'y prends pour parvenir à tes objectifs tout en conciliant travail, famille, entraînement. Steven Mikkelgott a appuyé en disant ça doit être dur de faire ça. Puis Annick Besso aussi. Donc, c'est ça. Donc, toi, dans le fond, tu dis ta stratégie, c'est un peu, c'est t'as un trou, tu le prends. Tu vas pas essayer de t'arranger pour courir avec quelqu'un d'autre parce que tu sais que tu pourras pas. Ton horaire est assez tight. Puis tu réussis à rentrer ça. Puis tu dis aussi, c'est un peu ta job qui te permet ça un peu. Tu fais-tu du remplacement périodique ou c'est à une école, t'as quand même contrat 80%? Ça dépend des années, là. Mais par exemple, cet automne, j'avais comme 50% de tâches, mais je complétais avec la suppléance. Okay. Mais dans ce temps-là, c'est que il y a juste quand tu es avec les élèves que tu es payé. Fait que tu n'as pas de période où tu es obligé d'être à l'école pour, mettons, faire de la correction et ces affaires-là. Donc, entre mes périodes de cours, je peux aller courir. Tandis que si j'avais un poste à 100%, même si je donne trois périodes dans ma journée, ben la quatrième, je suis tenu d'être à l'école. Fait que c'est sûr que ça amène plus d'instabilité, cette situation-là au niveau de mon emploi, mais ça me permet d'avoir cette latitude-là pour l'entraînement. Puis, je te dirais que justement le fait d'avoir l'incertitude à chaque année de où je vais travailler, si je vais travailler, avec qui je vais travailler, ben ça fait en sorte qu'en ce moment, je me considère avant comme coureur que comme enseignant.
ça m'avait marqué quand j'avais lu ça là, dans une entrevue d'Alain Bordeleau. Ouais, Que c'est ça, moi c'est aussi. exactement la même Ouais. chose. Fait que. Il dit, faut, quand on me demande qu'est-ce que je fais, je disais, je suis coureur et non, je suis prof d'éducation physique ou quelque chose du genre. C'est ça. Toi, tu dirais, tu as un peu ça, vu que justement, Ouais, tu là, priorises mettons ça. dans l'ordre, je me dirais père en premier, Ouais. ensuite coureur, Ouais. puis enseignant par la suite. Ouais. Puis ce qui a changé, par exemple, par rapport à quand j'ai commencé à enseigner, c'est qu'au début, tu te fais connaître. Donc, les secrétaires n'ont pas nécessairement ton nom en haut de leur liste. Fait que tu te fais beaucoup moins appeler. Puis, fait que dans ce temps-là, tu as beaucoup plus de temps d'aller courir. Puis, ben, à ce moment-là, j'avais pas de maison, puis j'avais pas deux enfants à faire vivre. Fait que même si je travaillais beaucoup moins et que j'avais un moins gros salaire, ben C'est ça me dérangeait pas parce correct. que j'ai pas un rythme de vie très dépensier. Ouais. Mais là, aujourd'hui, j'ai des obligations financières qui font en sorte que je peux pas me permettre de dire ah, ben je vais refuser cette suppléance-là parce que je vais aller courir. T'sais. Ouais. Ouais. Je me donne quand même comme obligation de prendre tout ce qui passe puis m'arranger pour. Concilier mon entraînement avec ça. Ça demande beaucoup de sacrifices parce que c'est justement, c'est très exigeant. Quand je te dis que dans chaque petite plage que j'ai, je vais courir, ben, t'sais, du réveil jusqu'à temps que je couche ma deuxième fille, ben, t'sais, souvent j'ai pas une minute pour souffler, là, t'sais, j'en viens de jogger souvent, mettons, 8 minutes avant que ma période commence. Je m'enligne mon plat. Genre le plus vite possible debout genre Allez, faites fait deux que laps. ouais puis en plus ouais c'est ça fait que ben ça demande de la discipline parce que je me couche justement extrêmement tôt parce que je peux pas me permettre de comme me coucher tard parce que c'est jamais non plus le genre de nuit que tu vas avoir là fait que c'est ça là c'est d'être rigoureux puis de voir les opportunités. Puis moi, je suis conscient que j'ai un travail qui me permet de faire ça. Puis quelqu'un qui fait des horaires de fou, j'en connais. Moi, j'ai toujours été Ouais. impressionné par Philippe Viaud-Dupuis, entre autres, là, Ouais. qui travaille énormément, puis qui réussit à piler du millage, là, t'sais. Puis c'est pas un gars là, qui court sur le talent, mettons, qui pourrait faire 80 kilos semaine, puis rouler, faire une 6 au demi avec ça, là, Ah t'sais. Il s'entraîne vraiment fort, puis. Je lève mon chapeau, là. Je sais que, mettons, lui, il réussit avec beaucoup de commute, là. Moi, c'est pas possible de faire du commute parce que je sais jamais où je vais ouais. travailler. Mais, en tout cas, Ouais. petite parenthèse là-dessus, là. Non, c'est ça. Pour ceux qui sont pas trop familiers, dans le fond, du commute running quand tu te rends à job en courant. C'est ça, à conférence. Puis ça, Philippe, c'est drôle, justement. J'ai déjà croisé pendant qu'il faisait son commute parce qu'il travaille au même endroit que mon père travaille. Puis c'est ça, moi, je m'en allais juste chercher quelque chose. Puis là, je le vois qui arrive. Puis là, ouais, je viens de faire 16 une heure kilos, et demie, une heure et demie, 1h40. C'est ça, même un peu Ah, ok, plus que 16 kilos ouais. de la Chine jusqu'au complexe Guy Favreau. Ouais. Ok. Ben, je savais que son régulier, je pense, c'était 16 in, 16 Ok, out, là. Fait que, ça se t'sais, peut, quand ouais, c'est ça se tes peut. journées, ça Moi, te fait ouais. une bonne journée au boulot, là. Ouais. C'est quelque chose. Mais c'est ça, fait que dans le fond, toi, tu dirais comment tu y parviens. Ben, ça passe par le fait de, un, que tu te considères comme ben, père, mais aussi en premier, tu mets coureur avant la job. Tu te considères comme ça en premier. Et donc, c'est de prioriser en partie. Puis après ça, c'est de. Comme tu sais, t'as pas de break, c'est juste de fitter un après l'autre, d'essayer d'être créatif dans ta Puis façon de mettre tes runs. aussi, c'est que là actuellement, comme je t'ai dit, quand je suis dans des phases où je travaille, ben je travaille beaucoup, mais j'ai eu la chance dans les 2 dernières années d'avoir des longs congés parentaux. Puis ça a fait en sorte que j'éliminais un des 3 facteurs de fatigue qui est la job. Fait que là, j'avais juste à concilier entraînement et famille. Puis pour vrai, ça a fait une énorme différence parce que, mettons, l'année dernière, je savais que j'allais pas avoir de congé parental. C'est drôle à dire, mais j'ai vraiment eu des longs congés parentaux. Puis je m'arrangeais pour avoir mes grosses phases d'entraînement pendant Pendant ça, ces zones-là. ouais. Mettons, en 2017, je suis allé au marathon de Sacramento, puis j'ai passé du 20 octobre jusqu'à mi-février en congé parental. Donc j'ai commencé l'année scolaire jusqu'au 20 octobre, puis je devais commencer à faire des grosses semaines à peu près à la mi-septembre, mais j'ai eu des petits bobos puis de la fatigue à ce moment-là qui a fait en sorte que j'ai commencé à vraiment
plus avoir des bons feelings à la mi-octobre, puis j'ai re-eu un gros up quand justement je suis tombé en congé parental, ce qui a fait en sorte que comme le gros 5 semaines clé qui a suivi, j'ai été capable de bien m'entraîner parce que j'avais plus de travail. Après ça, j'ai été en congé parental là, à l'automne dernier, en 2018, je savais que j'allais d'avoir travaillé comme tout l'automne. C'est drôle à dire, c'est juste la norme pour tout le monde, mais moi, je savais que pour toi qui considères. Ouais, c'est ça, que moi, j'arrivais de des conditions d'entraînement où j'avais accès à ça. Donc là, moi, ça a beaucoup influencé mes objectifs pour l'automne 2018. J'ai choisi Montréal comme objectif principal, non pas parce que c'était un parcours particulièrement roulant ou parce que la compétition allait être à son meilleur pour moi, c'était parce que c'était tôt dans l'automne. Donc, comme enseignant, je n'allais pas travailler pendant l'été, puis j'allais seulement avoir à peu près une grosse semaine à faire début septembre avant de commencer mon taper, ce qui me permettait de maximiser le moment où je ne travaillais pas. Donc, maximiser, c'est justement le moment où je ne travaille pas avec mes grosses semaines. Donc, j'ai connu un très gros mois de juillet, très gros mois d'août. Puis, je suis arrivé puis j'ai été capable justement de bien concilier la suite parce que j'ai eu mon taper, Montréal. Après, j'ai décidé de prolonger jusqu'à Québec, voir ce qui me restait. Mais même entre deux marathons, c'était pas si exigeant que ça, la planif qui m'était imposée. Puis là, cette année, c'est ma chance de frapper un coup de circuit sur marathon, je pense, parce que je ne retrouverai jamais des conditions comme celles qui s'en viennent, parce que là, je suis en congé jusqu'en décembre, en fait, avec le congé parental de ma deuxième. Yes. Donc, congé parental. Merci système Pauline. D'éducation. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Dans le fond, là, je suis en congé jusqu'en décembre. Fait que là, je suis dans les balbutiements de mon build-up, là, mais dans 3 semaines, là, ça va commencer avec la grosse artillerie. Là, fait que faut que je t'offre là, jusqu'à Toronto, qui va être mon objectif principal pour cette année. Puis Toronto, c'est idéal pour moi parce que c'est tard en octobre, fait que c'est frais. Moi, je performe vraiment pas bien dans les conditions chaudes, là, donc ça, c'est bon pour moi. Ouais. C'est plat. Cette année, je sais qu'il y a particulièrement beaucoup de Canadiens qui vont y être, là, fait que la compétition va être bonne. Ah non, il va y avoir la crème de la crème. Ouais. Donc c'est ça. C'est ça qui me motive. Puis, je voulais pas délaisser la Coupe Québec là, qui m'a amené justement un beau record personnel sur 5 kilos plus tôt là, avec toi, qui m'a aidé à finir fort là, à NDL. Fait que, ça, c'est des beaux objectifs qui me motivent. Là, fait que tu vas avoir le verger. Oui, c'est ça. Ouais. Je skip Tremblant parce que je veux pas non plus trop charger mon calendrier pour pouvoir t'es en entraînement piler du gros volume. Fait que je fais les vergers, comme c'est là, je vais faire les vergers dans une semaine de 150 kg. Puis 10 kg Université Laval ici, 150 kg qui va être une semaine de décharge par rapport au reste, là, quasiment. Donc, puis 10 kg Université Laval ici, là, en septembre. Ouais. Ouais. C'est Félix qui fait tes plans. Oui. Félix, là, c'est ça fait 9 ans qu'on est ensemble. Pour vous donner le ventre, Félix-Antoine Lapointe, l'ancien coach du Rouge et Or. Maintenant, il a pris un peu de recul parce que là, il est rendu le coach de l'équipe du Québec. Oui, c'est ça. Là, dans le fond, il a gardé le Rouge et Or cross-country, qui est vraiment son bébé, qui a fait progresser là, des bas fonds quand je suis rentré dans le Rouge et Or jusqu'à une sixième médaille consécutive peut-être. Mais première médaille en 2012, là, fait que... ça serait peut-être même septième, ouais c'est ça, sixième en 2018. Fait que, ouais, il a gardé ça. Puis sinon, là, il a dû faire des choix. Avant, il coachait tous les athlètes Rouge et Or, puis les bons civils. Mm-hmm. Mais là, il s'est fait mettre comme contrainte qu'il devait seulement coacher les athlètes identifiés. Moi, je le suis pas, mais il avait le droit à... Identifier, c'est ceux qui sont élites, identifié élite par la fédération. Donc, ceux qui atteignent certains standards de temps. Aussi. C'est ça. Ouais. Puis ça, il y en a énormément qui s'entraînent ici. Là. Je pense qu'il y en avait comme une quinzaine, mais il avait le droit à 2 choix discrétionnaires. Puis moi, il a réussi à... Dans le fond, il a décidé de me garder, étant donné que je continuais à bien progresser puis que j'avais aussi un profil plus long.
ce qui permettait de, ben, pour lui de se faire la main un peu sur un athlète marathon parce qu'il en entraîne pas d'autres, fait qu'il peut un peu avoir comme, un peu d'expérience dans tous les niveaux. C'est ouais. ça. Puis, dans le fond, là, j'avais Doan juste avant qu'on jasait un peu. Puis il disait j'aime Anthony parce que c'est comme un peu un grinder. Puis il a commencé de, tu sais, à tes départs, comme tu disais tantôt, quand tu racontais un peu ton histoire, tu n'étais pas dans le top pantoute. Tu sais, tu as rentré un 45 pour 10 kilos, quelque chose du genre. Tu sais, c'est pas mauvais, mais tu sais, comme on regarde où est-ce que tu es aujourd'hui, c'est une toute autre chose. Fait qu'il demandait un peu, il voulait savoir, puis moi aussi je voulais savoir, à quoi est-ce que tu attribues ta progression? Est-ce que c'est l'entraînement pur et dur? Ben, moi je pense que c'est la constance. Là. Ouais. J'ai eu la chance d'être très peu blessé. Là. Tu sais, je peux compter facilement sur les doigts d'une main les périodes où j'ai dû manquer même un entraînement à cause d'une blessure. Ouais. Il y a eu une. Puis c'est. En plus, là, toutes ces fois-là, c'était des accidents qui n'étaient pas run-related. Ouais, que, c'est ça, d'autres choses. Genre, une fois, j'ai été 3 semaines à l'écart parce qu'on faisait le party à Montréal, j'étais chaud, puis je me suis pété le genou dans un quart de porte. Puis là, j'avais une petite douleur. Puis là, c'était pendant les séries éliminatoires. J'étais en camp d'entraînement à Virginie 2 semaines plus tard. Puis en me levant en sursaut après un but du Canadien, je me suis pété le genou sur un accoudoir, le même genou. Là, ça a été comme... J'étais peut-être à la 3e journée de mon camp. J'ai pas recouru du camp. Puis après, j'ai pas recouru les 2 semaines suivantes. Donc, c'est une affaire de cartoon. Ouais, ça, c'est vraiment ridicule. Il y a eu ça. Puis sinon, quelque chose qui a vraiment failli me coûter cher pour mon build-up marathon l'année dernière, au mariage de Maxime Lapierre. L'animateur de foule, il organise un tournoi d'épée pour gagner la jarretière. Je me suis fait donner un coup d'épée dans les côtes par Vincent Ouamé. Puis là, j'ai eu de la misère à respirer en courant pendant plusieurs semaines après. Là. Fait que, ouais. C'est le genre de niaiserie comme ça. Là. Pas des affaires que, en lien avec les 170 kilos que je cours par semaine. Ah, c'est des blessures de surutilisation ou quoi. Fait que, OK, au moins, c'est ça, c'est vraiment la constance. J'ai l'impression que c'est souvent ça qui revient aussi. Oui, la constance, puis c'est ça, là, la rigueur aussi. Un coach qui a confiance en moi, qui ne me ménage pas. Tu sais, à toutes les fois, ça m'arrive souvent même d'être surpris en voyant mon plan, de dire « Ah ouais, il pense que je vais être capable de faire ça. » Ouais, moi aussi, ça m'arrive. Puis d'un autre côté, quand j'ai l'impression que mon idée du plan était plus agressive, ben là j'ai dit non, là c'est pas vrai, là j'ai le temps, parce que aussi on s'arrange pour ajuster à ma réalité, parce que tu sais, quand tu coaches un athlète universitaire, surtout moi dans le genre de bac où j'étais, où je pouvais pratiquement rien faire puis bien réussir, ben tu sais, pose-toi pas de questions, mais moi tout ce que tu penses qui est cohérent. Tandis que là, ben, ma réalité a changé. Puis là, mettons, je fais plus de muscu. Ouais. Parce que pour ça, il faudrait que je me déplace, tu sais, pour faire des muscu qui ont de l'allure. Fait que. Tu priorises ce qui est plus utile à ton entraînement. Ouais, c'est ça. Fait que. Mes muscu sont remplacés par du millage. Puis quand je suis allé en camp dernièrement, en camp d'entraînement en altitude, avec justement les kids, on peut dire, là, tu sais, c'était tout. Une gang 20, 21, 22, tu sais, que eux, tu sais, toute leur vie tourne autour de l'entraînement, puis ils n'ont pas vraiment d'autres choses à faire. Moi, je me rappelle, moi, justement, dans mes premiers camps d'entraînement, tu sais, c'était la vie, là. Tu dis, tu manges, tu cours, tu dors. Ouais. Fait que moi, je devais gérer des siestes, tout ça. Fait que, tu sais, j'ai pratiquement pas jogué une fois avec le monde du camp. Je m'arrangeais pour que les entraînements, je puisse les faire avec eux. Ouais. Mais les siestes de tes enfants. C'est ça, les siestes de mes enfants. J'aurais aimé ça, avoir à gérer plusieurs de mes siestes. Ouais, c'est ça. Mais non. Fait que, c'est ça. Mais non, j'ai. Au cours des dernières années, ça a été justement là, de mettre ça au centre de ma vie, puis de rester équilibré quand même là-dedans, puis d'avoir du fun. Mais. Puis c'est ça, tu dis, tu priorises vraiment le millage au-dessus de muscu, autre affaire. Étirement, tu t'étires-tu ou quoi, pas tant? Parce que je t'ai dit que j'ai pas souvent des blessures, mettons, qui m'empêchent de m'entraîner, mais j'ai
constamment des bobos, qu'on pourrait dire. Là. Fait que, tu sais, je vais quand même relativement souvent en physio. Puis parfois, mettons, avec la physio, ben là, j'ai des exercices à faire, mais pas d'emblée. Là. Je ne m'étire pas ou rien. Je me roule pas, puis tout ça. Il y a un bout où j'avais accès aux pantalons Normatec. J'en ai abusé pas mal quand j'y avais accès. T'sais. Là, je peux plus les avoir. Mais sinon, c'est ça. C'est, quand j'ai besoin avec la physiothérapie, mais sinon, c'est de s'écouter, puis de courir intelligemment. Puis c'est ça. Avec le temps, on sait quel genre de tension est inquiétante, quel genre de tension sera plus là demain. On apprend à connaître notre corps. Petite parenthèse pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le Normatec. C'est dans le fond, j'ai découvert ça à Park City. J'ai jamais essayé moi-même, mais dans le fond, comme des espèces de gros pantalons. Puis là, tu rentres dedans, puis là, ça fait comme de la pression. Puis c'est un peu dégueulasse parce que les quatre gars les mettaient, puis t'avais comme plein de sueurs de quatre gars parce qu'ils les mettaient après les. Mais apparemment, c'est censé aider la récupération, ou je sais pas trop quoi, c'est de la pression. C'est de la pressothérapie. Ouais. Fait que c'est comme un massage, mais moins ciblé, moins en profondeur. Une machine qui le fait. Mais c'est ça. Puis tu peux faire ça en même temps de lire puis d'écouter la télé. Ouais. Ou tu sais, fait que c'est pas prenant. Fait que quand tu y as accès, c'est le fun parce que c'est pas comme se déplacer puis payer. Mm-hmm. Fait que ça, c'est le fun. Ouais. Puis tu as l'air de prioriser aussi le sommeil quand même, de ce que tu me disais. Tu fais attention aux heures que tu te couches, surtout que des fois les enfants peuvent te réveiller ou de quoi. Ouais. Donc est-ce que c'est ça? Ça revient un peu à la question d'Annick qui disait ben c'est ça, comment est-ce que tu gères le travail d'entraînement? Puis aussi, c'est quoi tes trucs pour t'assurer de bien manger puis de dormir avec ton horaire? C'est ça, le seul facteur que je gère sur mon sommeil, c'est l'heure que je me couche. Fait que parfois, tu sais, là, cette semaine, je suis allé quatre nuits dans un chalet avec la famille puis la belle famille. Fait que à ce moment-là, ben j'avais pas toutes les mêmes occasions, mettons, de refaire des siestes tout ça. Je suis revenu comme vraiment brûlé. Ben avant hier, je me suis couché à 8h15, puis hier, je me suis couché à 7h45 en même temps que j'ai couché ma fille, tu sais. Fait que parce que j'étais complètement brûlé, puis même si il y en a qui trouvent ça ridicule de se coucher à cette heure-là, ben moi, ce que je trouve ridicule, c'est de me coucher à une heure normale puis de pas être capable de me gérer le lendemain, tu sais. Fait que non, mais j'ai vraiment besoin de beaucoup de sommeil, puis malgré tout, je suis constamment fatigué, là, mais... C'est ça, tellement demandant l'entraînement de marathon. Là. Ouais, c'est ça. C'est quoi la différence que tu as vu un peu avec avant, comme l'entraînement de marathon, puis aussi avant d'avoir des enfants versus maintenant? Fait que c'est deux questions différentes. Ouais, c'est ça. Ben, avant d'avoir des enfants, on dirait que je m'en rappelle déjà plus comme... I forgot. Moi. C'était quoi? J'ai oublié, c'était quoi? C'était quoi de genre dormir le matin? Là, parce que moi, comme la grosse matinée, c'est 6h15, mettons. Là. Oh boy. Fait que... Oh boy, boy. Ouais. Non, je m'en rappelle plus, ça, vraiment. C'était quoi de comme... dormir, là. Mais dormir le matin. dormir tout court. C'est moi, j'ai... wow. Non. Puis sinon... par rapport au marathon, c'est une fatigue qui est différente, je te dirais. Quand je suis dans le gros volume, ben je suis pas fatigué de la même façon que le lendemain, mettons, d'un 25 x 400, mettons. C'est quoi la différence? Ben ça me prend vraiment beaucoup de temps comme décoller au début de mes jogs, là. T'sais, mettons, j'aime quand ça... Quand t'es dans le marathon? Oui, c'est ça. Ouais. Quand je suis dans du gros volume, souvent, mettons, mes longues runs, je m'arrange pour les faire un bon pace. T'sais, je finis souvent avec une moyenne autour de 3,48, 3,50 pour mes genre 35 kilos. Pour tes longues runs? Pour mes longues runs, mais ça prend, mettons, 6 kilos avant que je droppe mon premier kilo en bas de 4 parce que au début, je suis incapable de décoller. T'sais, comme, tu te sens vraiment fatigué, mais... À un moment donné, tu pognes ton air d'aller, puis tu as l'impression là, de pouvoir continuer pour la vie. Puis c'est ça que j'aime, moi, de l'entraînement marathon, c'est que c'est le genre de forme qui me procure le plus de plaisir à l'entraînement, ce fond-là. Là. Tu sais, même s'il y a eu d'autres moments où j'ai été autant en forme que quand je suis dans mes grosses formes marathon, ben tu le ressens moins. Tu sais, mettons, être capable de courir un 2,45, de finir puis d'être capable d'en repartir un autre rapidement après. On dirait que c'est pas aussi le fun que quand t'as
tu as 30 kilos de couru, puis tu pars un 10 kilos à 3,25, genre... Fun? mais c'est ton fun, genre, d'être capable de pousser. Justement, d'avoir l'impression de pouvoir continuer tout le temps, puis de... C'est ça, ce genre de forme-là, ça me procure vraiment une euphorie à l'entraînement, là, mais... Un runner's high ou genre pas exactement? Parce que moi, je le sens pas tant, genre, tu sais, tout le monde parle du runner's high, je dis... Quand, au début, oui, je le sentais, mais là, plus tu t'améliores, j'ai l'impression que plus tu sens moins, mais c'est plus un peu l'euphorie de ben, comme, oui, là, quand d'être j'ai des content parties, d'avoir fait. Quand j'ai des parties tempo, mettons, où justement que je fais ma longue... Parce que, mettons, faut le voir, là, dans ma semaine d'entraînement en marathon, là, je vais sortir à peu près 12 fois à courir, parce que moi, je priorise beaucoup les doubles. Okay. Mais la fois dans ma semaine où j'ai la longue sortie ou un long prog, mais c'est là seulement où je vais... souvent bien me sentir. Puis pour toutes les autres jogs de la semaine, ben je vais souvent, à cause que je sais qu'il faut que ça soit mollo puis que je récupère, ben souvent à ce moment-là, je vais pas bien me sentir. Mais quand c'est la longue sortie, ben il se passe de quoi dans mon cerveau? Puis là, ben je le vois un peu comme un entraînement, puis ça... Ben, un entraînement plus spécifique. Ouais. Puis là, les jambes, ils sortent. Puis là, c'est pour ça que je fais les 10 autres sorties de la semaine. C'est pour avoir l'endurance de faire celle-là. Puis ouais. Celle-là est le fun, tu sais. Fait que... Mais, ouais, c'est ça. J'aime plus ça, mettons, faire une sortie continue, mettons, comme ça, là, de 37, 38, 40 kilos. Que tu sais, des fois, ben, de l'intervalle en mode marathon, tu sais, Félix, il m'a mis des, mettons, 7 fois 3 kilos. Là. Ça, c'est tough en maudit. c'est long, là. Puis, tu fais un demi, dans le fond. Ouais, c'était 7 fois 3 kilos pèse demi. Là. Fait ouf! Que, combien de repos? 2. Ouf! Ouais. Ouf! Fait que... Puis tu tenais-tu la pèse? Le seul que j'ai complètement échappé, c'est le premier, à cause de ce que j'ai parlé tantôt. Ah ouais, que ça me prend... dans le fond, j'ai pas voulu regarder ma montre avant 1 kg. Ouais. Puis quand je suis arrivé à 1 kg, j'étais comme 10 secondes off pace. Ah, puis là, j'ai pire, comme accéléré un peu. Puis l'échappé, mais après, mes 6 autres, là, ils étaient pas mal en 3-11, 3-12. Là, fait que ça allait bien. Là. Mm. Mais c'est drôle, ça amène un peu, parce que quand tu disais tu fais des long runs à genre 3,45, ça amène à une autre question que Doane m'avait apportée, puis que moi aussi je voulais savoir. Donc, dans le fond, tu fais attention à ta vitesse dans tes easy jogs. Ouais. La question, c'est est-ce que tu fais attention. Mais c'est ça, nous, on est vraiment opposés dans ce terme-là. T'sais, toi, tu vas faire comme 12 sorties, puis tu sais, mettons un jog, c'est quoi le plus lent que tu vas aller, puis en moyenne, qu'est-ce que tu vas aller? Ben quand je suis en mode marathon, ça tourne autour de entre 4,16 puis 4,22, mettons, de moyenne pour mes easy jogs. Des fois, mettons, je vais vraiment bien me sentir, ça va être plus comme 4,10. Là. Ouais. J'ai pas un très gros range de pace. Puis pour moi, 4,20, c'est lent. Là, fait que, tandis que, c'est ça, je vois que toi, c'est plus comme 5,10, mettons. Là, ben, c'est ça. Là, c'est quasiment une minute de différence. Là, fait que... Mais je sais pas si ça a aussi un peu un lien avec le fait que toi, tes sorties sont en minutes souvent. Oui. Toi, c'est moi, toujours c'est en kilométrage. Okay. Fait que je sais pas si c'est une genre de partie de moi qui me dit ça va être ben trop long. Ouais, c'est ça. Mais non, je l'ai essayé sans regarder ma montre en me disant je veux faire exprès. Ouais. Puis c'est ça. Là, t'es rendu habitué à c'est ça. Ouais. Puis tu sais, c'est une progression par rapport à avant où. C'était plus 4-10, c'était la moindre des choses. Puis souvent, quand tu te sentais bien, c'était comme 4 flats. Là. Fait que, mais quand j'étais universitaire, c'était ça. Puis les gars ici à Laval, c'est ça aussi. C'est pas, mettons, Nick Moe qui est comme dans les vétérans actuellement, mais qui est quand même de avant moi, ben, il a appris de notre école. Puis c'était ça. Là, on s'échauffait en allant aux plaines. Là, à 4-10, là, c'était un bon 25 minutes de jog, là, fait que c'était pas de la marche, là. Mm. Ah, c'était quelque chose qui m'avait frappé, moi, quand j'étais allé à Park City, puis là, je joguais un peu avec les gars, puis là, j'étais comme, crime, je suis en train de rusher, quoi. Ouais. Mais c'est ça, fait que c'est pas tant que ton coach te dit, je veux que t'ailles à 4-10, c'est plus comme,
tu as juste été un peu habitué à ça, tous les gars vont à cette vitesse-là, puis le fait que c'est en kilomètres, comme tu dis, que tu peux le clairer plus vite, ton jog, tandis que moi, ben, si j'ai 50 minutes, j'ai 50 minutes. Ça fait que ça change rien que je le fasse à 5 ou à 4 du kilo. Ouais. Mais c'est ça, là, ben, tu sais, j'en discute aussi un peu avec Félix, mais ouais. Moi, tu sais, j'ai mis bien clair que tu sais, pour mes toutes mes jogs la semaine, sauf ma longue sortie, mettons, j'allais y aller comme je me sentais, puis tu sais, je veux pas viser un pace parce que c'est justement ouais. Ça, c'est la meilleure chose pour pas bien récupérer puis tout ça. Puis tu sais, ouais. Lui est d'accord avec c'est ça. Beau feeling. Mais depuis mon premier build-up marathon, tu sais, il veut que la longue sortie, même s'il est écrit 65% de la vanne, autant dans mon jog de récup que dans ma longue, tu sais, on s'en fout de ce qui est écrit. La longue sortie, je la fais comme à un bon rythme. Puis souvent, j'ai pas besoin de pousser naturellement. Je vais plus vite, beaucoup plus vite. Puis pour ce qui est du reste, là, c'est ça, les autres, c'est de la récupération. Puis souvent, il met genre un temps pour la sortie puis kilomètres prévus en dessous. Mais faut pas que je me fie à ça parce que souvent, il écrit un peu n'importe quoi pour le temps. Puis dans le fond, moi, ce qu'il faut que je fasse, c'est le kilométrage. Ouais. Parce que, comme par exemple, des fois, il peut être écrit 1h10, 18 kilos. Mais c'est déraisonnable. Là. Il faudrait que je cours à comme 3,55 pour ça alors que c'est un jog de récup. Ah ouais. Mais lui, il sait que c'est à la base, vous êtes en kilos pour fonctionner. Il dit, ouais, il faut que... Puis tu sais, des fois, je déplace. T'sais, mettons qu'il... C'est ça, là, je m'arrange pour faire mon millage à la fin de la semaine. Ça arrive que je déplace 2-3 kilos d'une journée à l'autre. Mais en autant que ça reste la bonne forme, le bon nombre de sorties. Puis c'est ça. Mais c'est quand même fou, je trouve ça intéressant. T'sais, comme tu me dis, là, j'ai fait un. Tu dis, tu as fait un 7x3 pèse demi. Puis tu étais sur ta pèse demi. Versus comme moi, quand je m'entraîne, là, tu me dis, OK, fais du pèse demi. Si je suis dans 10 secondes de ma pèse désirée, je suis content. Puis ça arrive pas tout le temps. Et je trouve ça quand même drôle, tu sais, l'opposé. De ouais. Comme... Moi, quand je suis 3 secondes au kilo off pace, genre, je capote. Je capote. C'est drôle, c'est comme les deux school of thought. T'as vraiment, comme Québec, j'ai l'impression que c'est plus, tu sais, on respecte vraiment, il faut être sur la pace. Puis, tu sais, je me souviens quand j'étais au camp, là, t'avais du monde, ah, ben là, j'ai fait une seconde trop lent pour ce 200 mètres ou ce. Tu sais, moi, j'étais comme. Moi, j'étais comme, ben là, ouais. Genre, moi, je m'en fous, là, j'ai fait, je sentais un peu l'effort. Mais c'est ça. C'est ça. Mais peut-être que les trainings à Félix, des fois, ils sont faits, on dirait, pour te mettre en confiance, parce que souvent, ouais. c'est possible, voire pas trop dur d'être off-pace, d'être over-pace. Mais, tu sais, quand c'est des. Souvent, quand il supervise l'entraînement, tu vas le voir dans sa face si c'est la moindre des choses d'aller plus vite puis que genre il s'attendait à ce qu'on aille plus vite que notre vrai pace puis il va nous encourager. Fait que dans le fond il écrit quelque chose sur sa planif, mais la façon qu'il gère son entraînement, c'est qu'il avait quelque chose en tête qui n'était pas nécessairement, c'est qu'il veut pas que si t'as une mauvaise journée puis que tu te sentes comme de la ouais merde, c'est ça, là. Fait que même si t'es largué par les gars puis que finalement tu fais ton pace, il se dit ah finalement j'ai peut-être pas eu une si mauvaise journée que ça, mais d'autres fois, ben là, tu vas être vraiment au-dessus de ton pace, puis ça va être un crime. Je dois être en shape, tu sais. Ouais. Mais ça peut avoir, justement, il faut que tu te connaisses, il faut que ça fasse plusieurs années que tu t'entraînes pour savoir véritablement ce que tu vaux, parce que sinon, tu vas arriver en compétition et te dire, crime, je me suis entraîné sur des bases de 8 flats au 3000, mais je vais partir pour 8 flats, tu sais. Ah ouais. Fait que c'est ça. Mais quand c'est des training taper, ben là, on s'arrange pour pas exagérer puis comme respecter les codes d'effort. Sinon, ben souvent le fait que ben là, la masse de bons coureurs du Québec est rendue à Québec, ben c'est sûr que c'est facile d'avoir des très grosses codes d'effort à chaque training parce que t'as plein de monde qui te pousse. Tout le monde est là. Puis ouais, moi c'est ça. T'sais, là, cet hiver, j'étais coaché par Félix, puis il y avait juste la crème de la crème qui était coachée par Félix. Fait que moi, j'étais le ramasseux de lunch parce que je courais avec JS Degagné puis Charles-Philibert Thibouteau souvent sur les trainings de long. OK. Fait que même si t'es un des meilleurs au Québec, là, t'es un des plus poches de la gang. Ouais, c'est ça. T'sais, je cours avec deux gars world class. Si j'ai réussi à rester 2-3 secondes derrière eux sur un 800, ben là, genre, je suis vraiment content, mais comme... Ça doit être décourageant. Quelqu'un des estrades qui tient pas un chrono, il a l'impression que je suis un piment, là, tu sais. Ah, ouais.
Il dit, hey, ce gars-là, il se fait larguer, là, il doit être pourri. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, ça a ça comme avantage, c'est que tu peux pas t'asseoir sur tes lauriers. Tu sais, si moi, j'étais tout seul dans une petite ville, genre, à faire les temps que je suis en ce moment, puis que, genre, à l'entraînement, je démolis tout le monde, ben là, je pourrais me dire pourquoi j'en ferais plus, tu sais. Mais là, j'ai un reality check à chaque training en je m'en faisant ramasser, tu sais. Fait que là, ça me pousse à vouloir être meilleur, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça. Je pense qu'il y a un dicton, quelque chose genre, c'est en t'entraînant avec des lions ou des tigres que tu deviens. Quelque chose du genre, là. Affaire de lion, de tigre, puis que tu t'entraînes avec ça, puis que là, tu deviens un. C'est quelque chose du genre, là, en tout cas. Mais ouais, selon toi, ça fait quand même une grosse différence que tu penses pas. Peut-être que tu tiendrais même pace si t'étais juste. Mais t'es quand même souvent tout seul, là, quand même. Ouais, c'est ça. Ben, il y a juste cet hiver que j'avais un entraînement par semaine que Félix me mettait sa piste, puis pour pas avoir à me déplacer deux fois, parce que cet hiver là ma petite là elle avait t'sais, en décembre là, fait que pour pas laisser ma fille ma blonde avec les deux sur leur critique comme qui est pas mal de je partais pas mal de 4,5 à 7 ce qui est pas mal leur critique pour le coucher pis ces affaires là ben à toutes les fois que j'avais un entraînement ben il y avait soit une de ses amies soit ma mère ou qui venait t'sais, fait que c'était quand même un big deal d'aller m'entraîner, fait que je voulais pas avoir ça deux fois semaine. Fait que j'avais un entraînement de long sur tapis, puis un entraînement de piste, parce que c'est ça. Fallait quand même que je garde au moins un entraînement de piste, parce que j'avais quand même comme objectif de bien faire sur 5000 à Boston, Boston piste là, à la mi-février. Puis sinon, je faisais un gros training de tapis par semaine. Vraiment, j'ai tout fait sur tapis cet hiver, quasiment. Pratiquement cet hiver. Mais c'est ça, à Québec, c'était rude à ce que j'ai vu. Là. C'était rude, puis je me suis fait une grosse entorse à la cheville, ce qui a fait en sorte qu'il était rendu plus faible. Donc, pour avoir plus de stabilité, j'ai couru sur beaucoup sur le tapis. Le tapis, ça t'a sauvé un peu, tu dirais, comme que c'est. Tu t'es blessé, tu peux courir là-dessus quand même. Puis tu sais, ça arrive au bon moment parce que avant le mois de novembre, j'étais en condo, puis là, je suis en maison depuis le mois de novembre, puis là, le lendemain que j'ai déménagé, je me faisais livrer mon tapis. Là. C'était comme c'était ce qui m'excitait le plus à propos d'être en maison, c'est d'avoir de la place pour un gros tapis. Là. Ouais. Fait que je faisais mes séances en me retapant toutes les Olympiques, les championnats du monde depuis 2000 sur YouTube, plus tous les marathons de Londres, tous les gros marathons depuis tout ce qu'il y a sur YouTube à peu près. Là. Ah ouais. Fait que, tu utilises ça pour te motiver puis pour faire passer le temps. Là, parce que. Mettons, j'ai fait jusqu'à 27 kilos en continu sur le tapis cet hiver. Puis, tu sais, il y a eu deux semaines consécutives à 135 que j'ai fait presque exclusivement sur tapis, là, à part ma séance de piste. Là. Fait que, tu sais, mettons, genre 240 kilos de tapis en 14 jours. Oh là. My God. Fait que, ouais, c'est ça. Puis, ça, tu dirais, ça te prend de la force mentale là, quand même pour faire ça. Ouais, c'est ça. C'était ça, mais même pas blessé. J'aurais fait mes sorties relax dehors, mais depuis les 10 dernières années, j'ai pas fait aucune intensité dans la neige, jamais. C'est toujours sur le tapis. Ça me fâche trop. Fait que du moment que ça glisse, hein, t'sais, mettons, pour mes jogs, mais mettons, toutes les progs, je les fais sur tapis, jog avec du tempo dedans, là, parce que on dirait que je suis pas capable de me dire, vas-y, allez fort, tout c'est, ça, c'est parce ça, que j'ai vraiment une foulée. Inefficace dans la neige. Ouais. Puis, non, c'est ça. Fait que je vais sur tapis. Ouais. Non, c'est vraiment drôle, comme les mentalités. Tu sais, moi, je pense. Peut-être que je suis trop. Je sais pas si c'est de la paresse ou quoi aussi. C'est juste que je suis tellement habitué de pas atteindre mes paces que je préfère quand même aller dehors parce qu'à l'intérieur, je voudrais mourir là, sur un tapis. C'est une question d'habitude. Là. Ouais. Toi, tu dis « Oh mon Dieu, que t'es courageux d'avoir fait ça. » C'est mais ça, moi, toi, tu dis « Oh! » Je regardais ton Strava tout l'hiver avant Miami. Les entraînements de cul. Puis, j'en revenais pas que t'es tu fasses ça. Le gars, là, tu te dis comme « Ben là, voyons, le gars, comment il devrait pas aller à Miami, là, genre, ça marche pas. » Non, non, mais même au-delà des paces, là, juste de sortir puis de le faire. Ouais. Puis tu sais, je voyais que tu t'accotais là, fait que puis des fois des affaires de puis tu sais, il y a le mental mais il y a aussi la prévention des blessures là, tu sais, t'as failli plus aller à Miami à cause que t'avais glissé sur une plaque de glace. Ah non, aussi juste avant Rotterdam aussi, t'étais tombé sur une plaque de glace, fait que tu sais,
Des niaiseries de même, là. Ouais. Moi, ça, j'avoue, je m'en dis. J'en connais qui sont tombés en bas de leur tapis, là, mais c'est pas la, t'sais, ouais, non. C'est pas la norme. Il y a plus, pas mal plus de chances de glisser sur une plaque de oui. glace. Surtout avec les hivers qu'on a eu, que c'était tout. Que ça, ouais. ça te déchelait et ça gelait tout le temps. Ouais. C'est en mettant mon pied juste à moitié sur la chaîne de rue à cause que je voyais pas la démarcation. Ouais. Je me suis fait une grade 2, puis j'avais des gros épandements de sang dans la cheville à cause de ça. Fait que pour une niaiserie, là. Fait que. Non, fait que moi, depuis, tu fais très attention. Puis tu, ouais, puis c'est pour ça que y en a beaucoup qui me disent ah, tu peux-tu faire Boston? Mais moi, marathon de printemps, là, ça m'intéresse comme zéro, là. À cause du climat. Ouais. Ah non, moi non plus. Fait que. Ouais. Moi non plus, depuis Rotterdam. En plus, là. Ça a mal été, tu sais. Ah non. Ouais. Ah non. Ouais, ouais, non, c'est ça. Fait que, ouais. Depuis que j'ai vu, c'est quoi l'entraînement d'hiver, là, oublie ça, là, c'est dégueulasse. C'est. Ouais. Mais toi, t'en avais-tu fait de printemps avant ou jamais? Ouais. Non. Tu l'as su dès le début, c'était de la merde. J'ai 3 automnes de marathon à mon actif. Là. Ouais. Puis ça nous amène un peu à une question d'Olivier, Roy-Bergeon, encore une fois. C'est quoi tes objectifs? Tes prochains objectifs? Donc, on sait que tu as Toronto, mais aussi, il demande aussi à quel point est-ce que tu penses que tu peux encore améliorer tes chronos sur 5000? 10 000, puis demi-marathon en général, tu sais, avec combien de jeux que tu penses qu'il te reste? Parce que là, tu t'approches, là, t'es rendu à quel âge, là? 29. 29, fait que tu t'approches de ton pic, tu sais, le pic souvent c'est autour de 30, 31, mais ça peut varier, ouais, certains qui l'atteignent un peu plus tard, là, ça varie de la personne. Mais à quel point est-ce que tu penses que tu peux encore aller en chercher? Puis en fonction de ta réponse, comment est-ce que tu restes motivé avec ça? Est-ce que c'est record personnel? Parce que tu vas pas avoir un record du monde. Record canadien, probablement pas. Fait que tu sais, c'est ça. Fait que. Comment, ben, là, ouais. Je me compare seulement par rapport à moi-même. Là, ouais. Puis ben, à l'élite québécoise. Là, ouais. Dans les dernières années, l'année passée, mettons, j'ai eu le deuxième meilleur temps derrière toi. L'année avant, j'ai été meilleur temps au Québec à égalité avec Nicolas Berroir. Puis là. Ben, j'aimerais ça faire le meilleur temps au Québec cette année pour un Québécois. Puis aussi rentrer dans le top 20 Québécois de tous les temps. Oui. Tu sais, c'est des objectifs, là, justement. Là, des classements comme ça, c'est le fun parce que, justement, ça reste. Puis, tu sais, comme le kid dans 10 ans qui va vouloir, mettons que je finis ma carrière 18e. Dans 10 ans, je vais peut-être être rendu, mettons, 23, 24e. Mais le gars qui va vouloir me passer, il va dire, hey, c'est qui ça, Anthony Larouche? Fait que c'est ça. Puis ben mes objectifs, là, mettons, pour Toronto cette année, j'aimerais ça, si j'étais capable de briser le 2.22, je serais vraiment content, là, parce que là, je suis à 2.23 haut, mais tu sais, Toronto, c'est plus rapide, puis l'année passée, j'avais beaucoup des problèmes gastriques pendant la course, fait que... l'eau du marathon de Montréal. Ah, non, moi, ça a été le Gatorade, le genre de... purée de fruits, là, que je mange. Ah ouais? Ouais, je pensais qu'il donnait du Brix à cause que c'était ça qui était écrit sur le plan du marathon. Il disait que c'était Fueled by Brix. Fait que là, moi, je m'étais entraîné avec ça. Puis j'en avais mis aux endroits où on pouvait en mettre, puis qu'eux, ils en donnaient pas. Mais finalement, je me suis ramassé avec de la purée de fruits, avec, tu sais, encore avec les pectines, puis tout, là, c'est pas la même game à gérer que juste du sirop d'érable, tu sais. Fait que, en tout cas, bref. J'ai vomi 5 fois dans le dernier 150 mètres. Fait que, puis ça faisait un bon 10 kilos là, que je retenais ça. Là, fait que c'était rough. Bref, pour en venir. 10 kilos! Ben, depuis le parc botanique. Aïe, là. Aïe. Ouais. C'est dans le dernier 400 mètres. Plus ouais, ben, c'est la descente de Berry qui a fait cogner ça vraiment fort. Puis mon estomac était encore plus irrité par cette descente-là. Puis après, là, une chance pas arrivé comme. Un peu plus tôt, là, parce que là, j'avançais parce vraiment plus. J'ai fait le dernier 150 mètres à 5 flats. Là, fait que, c'est rien. Là, j'ai pas perdu beaucoup. J'ai perdu quelques secondes, mais c'est l'effort aussi que j'ai pas pu fournir à 100% avant ça avec aisance. Là, Mais bref, ça, j'aimerais ça tomber dans le 2.21 cet automne. Mon demi, c'est mon PB qui me tanne le plus parce que ça fait 4 ans, je pense, que je l'ai fait. J'ai fait 4 fois à 4-5 secondes de mon PB. Je faisais 30-41 sur 10 quand j'ai fait mon PB.
Puis là, 3 ans plus tard, je faisais 29,55. Puis là, j'ai encore le même PB. Fait que c'est sûr que moi, mon moment où je suis le plus en forme de demi, c'est l'automne. Puis là, ben, tu peux pas toujours avoir le beurre puis l'argent du beurre, dans le sens que si tu build up pour le marathon, ben, tu veux-tu vraiment faire une décharger pour faire un gros demi? Ça dépend de tes objectifs. Je vais peut-être le faire cet automne. J'ai pas encore pris la décision. Parce que, étant donné que c'est le moment où je vais avoir les meilleures conditions d'entraînement, ben ça serait là ou jamais peut-être pour faire un gros demi dans ma préparation marathon aussi. Mais ça va commencer à faire beaucoup de courses. Mais je le sais que j'ai ça en moi de faire au moins un 67 flat, là, t'sais, un 67 très bas. Là, parce que, c'est ça, avec la progression que j'ai eue depuis mon 67-45 à Philly, ben je sais que je pourrais faire ça. Pour ce qui est du 5000, ben ça se pourrait que le PB que j'ai en ce moment, ça reste mon PB parce que là, j'étais allé en camp, en camp d'entraînement d'altitude pour un gros 5000 fin juin. Puis j'ai connu un camp exceptionnel, mais du moment que je suis redescendu de l'altitude, je suis tombé très fatigué, puis j'ai pas été capable de m'en remettre avant la course. Je pense que c'est mon manque de sommeil au camp qui a fait en sorte que j'ai comme puiser beaucoup dans mes réserves. Ben ouais, non, ben ma plus jeune s'est vraiment mal adaptée. Fait qu'elle elle avait des gros moments d'éveil la nuit, puis elle se levait à comme 4h15 le matin. Fait que puis malgré ça, j'ai fait comme 170 kilos dans ma première semaine avec des entraînements d'intensité aux 2 jours puis tout ça. Fait que j'étais comme vraiment dans un mindset de il faut que je passe à travers. Fait que je suis passé au travers, mais du moment que la tension puis comme le dès focus, relâches, c'est relâché en me disant « OK, là, le travail est accompli », ben là, ça allait plus du tout. Genre, j'ai pas été capable de faire un jog easy avec des bons feelings dans les 3 semaines entre le moment où je suis redescendu puis la compé. Fait que j'avais mes gros doutes la journée de la compé aussi parce qu'il y avait rien qui me laissait présager que ça allait bien aller nécessairement, tu sais. À part mon camp que lui avait bien été. Fait que c'est ça. J'essaie de me dire que ça va payer pour cet automne. Mais bref, le 5000, ça se pourrait que... Sinon, peut-être encore à Boston en février prochain, à cause que vu que je suis en congé jusqu'en décembre, possiblement que je pourrais quand même plus rarement en bonne forme en février, okay. Avec juste comme 5 semaines à concilier travail, famille, tout ça. Ouais, ça serait là. Comme ça, le monde qui te demande tout le temps, ah, t'as-tu fait Boston? Non, Boston Indoor. C'est là que j'ai fait, mon PB Sur 5000. En 2017, okay. 14,33. Okay. 10 000, je pense plus avoir de moments où ça va fitter de revenir assez en forme puis d'avoir une occasion de rouler assez parce que, justement, là j'ai de la misère à penser à beaucoup après cet automne parce que, justement, là, je sais pas à quoi ça va ressembler après avec... ben, c'est ça. Là, je vais devoir, à quelque part, diminuer mon volume d'entraînement. Fait que, après cet automne, je sais pas à quoi ça va ressembler, mais là, heureusement, j'aurais eu des belles occasions de descendre des PB cette année sur les distances. Le 5000, ça a été décevant, mais moi, j'avais descendu beaucoup mon 5 kg route au printemps. Puis là, ben, mon 10 kg route... potentiellement mon demi, puis assurément mon marathon devrait dropper dans les prochains mois. Là. Fait que, puis après cette année, ben il n'y a rien, beaucoup d'incertitudes. Puis, on va attendre le temps pour évaluer. Là. Ouais, c'est ça. C'est drôle, mais au moins 10 000 mètres, au moins t'es sub 30. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est... Contrairement à d'autres. Ça a été, encore aujourd'hui, ça a été le plus gros sentiment d'euphorie que j'ai eu, là, comme, même pendant la course. Ouais. J'ai pas souffert, là, à 3 kilos du départ de la course, je savais que ça allait le faire, tu sais, je savais qu'il y avait rien qui allait m'empêcher de le faire, puis, tu sais, je pense que j'étais dans une forme pour faire, tu sais, un peu mieux que ce que j'ai fait, mais je voulais tellement pas l'échapper que je l'ai juste géré comme pour briser le 30, puis, tu sais, je me rappelle, j'ai même fait un clin d'œil à un de mes amis qui commençait à douter, tu sais, à cause que je ralentissais tranquillement. Mais c'est ça, je voulais juste m'assurer de pouvoir finir fort, puis tu sais, j'étais très 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 confiant pendant la course, fait que ça a été, en plus cet accomplissement-là qui était quelque chose que je pensais juste 2 ans avant complètement impensable, ben ça m'a amené au jeu de la francophonie
qui a été une expérience vraiment exceptionnelle du point de vue d'athlète, là, de vivre des jeux, là, même si c'est pas... Ouais. Ben là-bas, j'étais Team Québec. Ah oui, Team Québec, ouais. C'était juste d'être dans un village d'athlètes, ouais. Avec une délégation, puis partager avec des gens de d'autres pays. Ça a été quelque chose que en rentrant à l'université à 38 minutes au 10, je pensais jamais vivre. Là, ouais. Je pensais à ce moment-là que du moment que j'allais briser le 9, j'allais pouvoir arrêter puis m'adonner au sport récréatif. T'sais. Mais finalement, on prend goût au PB. Fait que, ouais. Ouais. T'as l'impression que c'était ça une de tes grosses drives quand tu commençais, genre de à chaque fois d'avoir un PB, puis là t'es comme, ok, ça te monte. Là, puis... Ça a été long avant que régulièrement je fasse des courses sans faire des PB. Au début, c'est PB à chaque course. Ah, ouais. Puis comment tu gères ça quand t'en fais plus tant? Comme moi, j'ai commencé à arriver là un peu, que si tu fais un PB, t'es très content parce que ça arrive pas souvent. T'sais. Ouais, c'est ça. Ben aussi, on race moins souvent comme post-collégiate qu'universitaire. Fait que là, à cette heure, quand je race, je m'attends encore quand même souvent à faire des PB parce que je race pas souvent. Tu sais, comme en 2019, je vais racer peut-être 9 ou 10 fois, mais là-dedans, il y a au moins 2-3 courses qui seront pas en vue de faire des bons temps, mais plus comme des tune-up ou des affaires de même. Là. Fait que les autres occasions, ben, c'est des moments où j'espère faire des PB. Puis, tu sais, j'ai fait comme 4 PB en 5 courses avant de partir en camp. Là. Fait que j'étais content là, encore. Là. Fait que c'est encore possible. Puis, tu sais, en augmentant tes distances aussi, ben, tu as des nouveaux objectifs. Fait que, tu sais, là, si j'arrive à Toronto avec la mentalité. Ah, ça serait le fun que je fasse un PB. Non, non, c'est comme. C'est ça ou c'est rien. Ouais. Ouais. Puis, tu dirais, comme tantôt, tu jasais un peu de. T'étais rentré dans la course, puis tu savais que ça allait pas bien aller. Est-ce que c'est un peu tout le temps de même que. Si tu sens que ça va pas bien aller, ça va pas bien? Parce que moi, ça m'est déjà arrivé, tu sais, j'ai une course, mettons, justement, à Portland. On revenait du camp d'entraînement, puis j'étais comme, ouf, ça va être l'enfer, je vais être dans une vague trop lente. Je vais juste essayer, puis là, finalement, j'avais fait quasiment proche d'un PB dans une. Tu sais, tout seul. Toi, est-ce que ça t'arrive des fois, c'est ça, tu te pointes à un start, puis t'es comme, je sais pas qu'est-ce qui va se passer, puis finalement, tu te surprends. Mais moi, toute la semaine de taper avant une course importante, donc, parce que je décharge pas pour toutes mes courses, mais les courses importantes, c'est comme le 5000. Puis, ben, mettons, toutes mes 10 000 où je faisais des gros PB en Pennsylvanie, ben, je suis en taper. Puis, à ce moment-là, souvent, j'ai de la misère à mettre un pied devant l'autre. Là. Genre, je vais me sentir déchet dans toutes mes jogs. À cause du taper? À cause du taper. À cause que tu fais moins de millage. Mon cerveau, il se met en mode économie d'énergie. Ouais. Puis là, on dirait que tout est difficile. Fait que. Mais donc, tu penses pas que c'est nuisible à toi? Ou... Non, parce que, étant donné que je me connais, je sais que ça n'a rien à voir. Puis que quand je vais mettre le pied sur la ligne, ben, ça va aller. Okay. Fait que là, au 5000 ici, ce qui était plus problématique, c'est que ça faisait 3 semaines que j'étais dans cet état-là. Ah ouais. Fait que, mais je me disais quand même, c'est peut-être comme un genre de taper de 3 semaines. Fait que, tu sais, j'avais un petit quelque chose en dedans de moi qui me disait que ça allait peut-être mal aller, mais j'avais quand même encore bon espoir parce que j'avais tellement fait des bons entraînements que je me disais, ça se peut pas que ça aille pas bien. Puis j'ai dormi beaucoup post-camp, pas beaucoup au camp, mais post-camp, j'avais réussi à bien me reposer puis tout. Fait que j'espérais que ça allait bien aller. Mais c'est vraiment pas le mental qui a fait en sorte que ça n'a pas bien été. Je me sentais déjà au sprint à 1000 mètres, là, t'sais, ça a vraiment. Puis, t'sais, ça me brisait le cœur de déjà laisser aller les gars que je voulais battre déjà à 1000 mètres. T'sais, fait, puis par la suite, j'ai continué à ralentir. Fait que non, c'est vraiment une course à oublier. Mais en général. Quand tu te sens bien, ça. Étant donné que je me sens souvent mal les semaines des courses que je considère importante, ben c'est difficile à dire avant de vraiment commencer si ça va bien aller ou pas. T'sais, comme, c'est seulement après que tu as commencé. Mettons, au printemps, j'ai fait 3 courses de 5 kilos quand même assez rapprochées. Puis, mettons, la course au lac Beauport, qui était la deuxième, le 5 kilos de la clinique du coureur, j'avais fait mon meilleur entraînement de l'année le lundi avant, là, fait que mettons 5 jours avant. Mais j'ai connu une course horrible, là. J'avais aucune jambe. Je pense que justement, j'avais peut-être
trop poussé la note. Dans, j'avais géré cet entraînement-là comme une race. Là, fait que j'avais vraiment poussé fort. Puis ça avait vraiment mal été à la course. Puis la semaine de NDL, ben là, je m'étais dit, OK, là, il faut que ça roule. C'est ma dernière course avant de partir en camp. Fait que là, je m'étais comme beaucoup reposé. Puis l'entraînement de la semaine, j'étais vraiment off-pace. Ça m'a vraiment découragé. C'était mon pire entraînement de l'année. Mais à cause que mon cerveau me disait, là, il faut vraiment que tu te reposes, sûrement. Fait que je gérais même pas. Même si j'essayais, j'étais pas capable de rentrer les paces. Puis finalement, j'étais arrivé à la course. Puis j'ai fait de loin mon meilleur 5 kg run ever. Fait que avec comme 12 secondes de PB. Fait que c'est vraiment un sport étrange. T'sais, c'est une mécanique. Il y a plein de facteurs qu'on saisit pas. Plein de facteurs. Puis des fois, t'as l'impression que tout est en place. Mais la récupération, t'as pas toujours le contrôle. Je pense que c'est plus facile pour les athlètes pro quand ils ont juste ça à gérer. T'sais. Mais même là, moi, ça me surprend là, quand on regarde, mettons, le circuit Diamond League, là, les gars qui font les 5000, t'sais, d'être capable d'enligner des 5000 back-à-back et de toujours bien faire. Je comprends pas comment ils font pour toujours faire des bonnes courses. Tu dis comment Mo Farah il fait pour gagner deux ou trois Olympiques de suite, le 5000 et le 10 000. Ouais, c'est ça. Mais moi, ce qui m'impressionne encore, c'est quand toute ta planète est en fonction d'un événement, c'est tel que tel, mais un circuit où tu fais, mettons, soit un 3000 ou un 5000 à chaque 10 jours pendant tout l'été, là, ils ont au moins. Ils font ça, là? Okay. Ben oui, là, mettons, les bons gars comme Edris, puis genre Kedjelcha, puis. Toutes les meilleures aux 5000, là, ils en race beaucoup. Là, fait que, c'est puis ils réussissent à chaque fois, bang, premier, deuxième, Berrega, premier. Tous ces gars-là. Là. Ouais, fait que tu suis ça quand même un peu? Ouais, ben, l'été, je travaille pas. Fait que c'est un bon moment. J'aime vraiment ça, suivre ça, là, sur tous les courses de demi-fond. Là, ben, c'est pas très long écouter un Meet Diamond League. Là, 800, 1500, 5000. Fait que. Là, aujourd'hui, c'était Monaco. Là. T'es Monaco puis la Préfontaine Classique, c'est pas mal les deux événements qui roulent le plus en Diamond League. Là. Puis là, il vient d'avoir lieu. Là. Fait que c'est bien le fun à suivre. Là. L'émergence du petit Jacob Ingebrigtsen. J'ai bien hâte de le voir au Mondiaux. Lui, il vient d'enligner deux fois 330 au 1500 rapproché. Fait que. Ouais, je pense qu'il peut. Le record du monde, c'est 326. 3,26, mais lui, je pense qu'il a tout ce qu'il faut pour bien faire en course de championnat parce qu'il est intelligent et il finit vite. Là, fait que, en tout cas, il a quel âge? Il a 19. Non, il va même pas. Il va avoir 19 en août. 3,30 à 19 ans. 18 ans et quelques. Là. Ouais. C'est incroyable. Je vais juste revenir à un point que tu avais dit au début. Il t'a dit aujourd'hui, si je m'étais mis à. J'essayais de me rejoindre l'équipe avec les temps que j'avais. Je ne serais pas l'équipe, je serais dans l'équipe récréative. Penses-tu que tu serais quand même allé dans l'équipe plus récréative dans ce temps-là ou que tu avais besoin de la drive de dire « moi, je vais être dans l'équipe universitaire, je vais faire les mêmes. » Oui, mais je pense que c'est la motivation de sentir que j'étais pas dans l'élite quand je suis arrivé, mais tranquillement, pas vite, je tendais vers là c'était loin d'être gênant au début de mes années universitaires de faire un 8,59 au Provins. Là, aujourd'hui, tu te fais lapper là, si tu fais 8,59 au Provins. Mais c'est quand même fort. C'est quand même 8,59 au Provins. On va se dire, il y a combien? Une dizaine qui font ça au Québec? Une vingtaine? Au Provins, en tout cas. En tout cas, vers la fin de mes années, il y avait facilement du gars qui faisait en bas de 8,40, je pense. Mettons, facilement... Ouais, là, moi, je pense que j'ai fait 8,33 au PEP, ce qui est comme la piste la plus lente. Puis, je pense que j'étais le dernier pointeur. Là. J'étais comme le 6 ou 7e là, en 8,33. Fait que, tu sais, il y avait facilement 10 gars en bas de 8,40. Fait que, ça, c'était en quelle année? 2014, genre. OK. 2015. Ouais. Fait que, je pense qu'il y a peut-être un peu moins... J'aime ça, ça a peut-être un peu redescendu peut-être après. Un peu moins de profondeur depuis. Tu sais, les meilleurs... Ouais. Les meilleurs sont aussi bons, là, mettons, avec... Jess de Gagné et tout ça. Ah ouais. Mais un peu moins qu'ils font faire sous les 9, mettons. Ouais, c'est ça. Qu'à cette époque-là. Peut-être, mais c'est ça. Je progressais vraiment vite. Puis j'avais le sentiment de m'en venir vers comme les meilleurs tranquillement. Là. Puis comme le point tournant, ça a vraiment été ma troisième année.
où j'ai passé de 8,50 à 8,34 dans le même hiver. Puis ça, 8,34, j'ai gagné le Provins intérieur parce que Charles Philibert puis Emmanuel Boisvert avaient déjà leur standard pour les CIS avant la course. Fait qu'on a fait une genre de course stratégique où ils m'ont laissé les dépasser à la fin. Fait que j'ai pu vivre l'expérience de championnat canadien. Puis ça, ben, ça a été un gros boost. Puis c'est ça, j'ai tout le temps eu les bonnes courses au bon moment qui ont fait en sorte que la flamme est restée allumée. Parce que, tu sais, c'est tout le temps une question de la balance des sacrifices versus les bénéfices. Puis, Puis ta motivation, c'est les bénéfices, c'est un peu à quel point est-ce que tu veux avoir ça. Puis le bénéfice brillant, si tu le veux vraiment. C'est comme là, c'est une grosse claque d'en face, le 5000 qui n'a pas bien été après que j'ai fait un camp d'entraînement qui a demandé beaucoup de planification puis qui m'a coûté quand même très cher. Là. Ça a dû, me coûter sûrement 3000$ peut-être avec 21 jours d'hébergement puis une location de char puis tout ça. Puis de faire embarquer. Ça a été des grosses négociations de réussir à convaincre ma blonde de venir avec moi aussi là-bas. Là. Puis il y a même ma mère qui est venue m'aider avec les enfants quand ma blonde est partie, parce que ma blonde est partie avant la fin du camp. Fait que tu sais, j'ai embarqué beaucoup de monde de mon entourage pour pouvoir rendre ça réaliste, ce camp-là. Puis tu sais, je savais qu'il y avait des chances que ça paye pas, mais je voulais le vivre comme athlète, un camp en altitude, voir comment mon corps allait réagir et tout ça. Ça n'avait jamais fait, mais non, c'est ça. Fait que non, mon dernier camp remontait à comme 5 ans auparavant. Là. Fait que... Okay. Parce que c'est ça, t'sais, s'absenter 2-3 semaines quand t'as avec des enfants. Famille, quand, si t'es un athlète pro, ça peut être justifiable, mais pas par la suite. non, c'est ça. Bon, juste avant de finir, je voulais revenir au point, parce que c'est drôle comment c'est quand même. On est quand même très similaire dans le fait que tu te dis, c'est ce qui t'a fait vraiment starter là-dedans. Il y avait un peu le fait que ton prof aimait la course, puis t'avais fait. Il t'a dit, t'as du potentiel, tu devrais faire du cross-country, puis là, ça t'a amené là. Mais c'est drôle parce que moi, c'était un peu la même affaire que t'avais la prof qui aimait la course, qui nous faisait faire des laps à les 20 premières minutes du cours, tu faisais une coupe de laps, puis il y en avait, tout le monde s'en foutait sauf une coupe de crinqués comme The toi et moi. C'est ça, qu'eux, ils voulaient à chaque fois essayer de battre leur temps. Puis, mais c'est drôle comment. Tu sais, à quel point est-ce qu'on serait là aujourd'hui si c'était pas de ça, tu sais? Comme moi je suis quasiment certain que je serais pas si ça avait pas été de tu sais, ok, il y avait la prof, elle organisait une course à la fin de l'année, puis là on essayait de on regardait où est-ce qu'on rankait, puis là j'avais gagné, puis là je capotais, c'est la première fois que je suis bon à un sport, puis là c'est ça, au cégep là ça m'a motivé un peu à rejoindre l'équipe. Mais si c'était pas de ça, toi as-tu la même impression un peu que tu sais c'était un peu pas tant dans ton contrôle, ou penses-tu que tu aurais quand même fini par te rendre là? C'est ça. Ben moi, c'était ça. C'était un bon sport pour moi parce que, mettons que quand tu pratiques pas un sport en particulier pendant tout ton secondaire, puis là, tu arrives au niveau collégial, ben là, oublie ça d'essayer de rejoindre du sport compétitif. Tu n'as plus les habiletés techniques pour rejoindre un club de sport collectif si tu n'as pas pratiqué ce sport-là. Mais en course, ça se fait. Mais c'est ça. C'est pour ça que c'était un bon sport pour ça, parce que tu peux progresser rapidement. Ouais. Puis aussi souvent, ben pour qu'une équipe soit complète, ben ils acceptent un peu tout le monde. Ouais. En tout cas, nous, c'était le cas au cégep. C'est ça, la beauté. On avait le gars qui finissait dernier à chaque meet, il était dans notre équipe. Il n'était pas question que ce gars-là soit mis dehors de l'équipe. Parce non, tu en as besoin pour scorer. C'est ça. Il ne scorait pas, là, mais juste pour que... Pour payer le boss pour se rendre. Il faut qu'on soit assez dans l'équipe. Mais je pourrais dire qu'il y a eu plusieurs personnes qui ont été influentes dans mon parcours. Il y a eu ce prof-là, mettons, qui m'a fait connaître un peu le goût de la course. Après, ben il y a Martine Gervais, ma coach au cégep, qui m'a fait découvrir la compétition, puis vraiment le goût de dépassement, puis la planification, puis c'était quoi comme de s'entraîner pour vrai. Puis, tu sais, heureusement qu'à ce moment-là, je suis arrivé dans un club avec un genre de coach dictateur qui aurait voulu me brûler pour comme que je sois au meilleur de mes capacités déjà au cégep, tu sais. À ce moment-là, je faisais 50 kilos dans mes grosses semaines. Là, fait que ça a progressé vite là, parce qu'après ça,
Là, j'ai trouvé fou les universitaires de faire comme 90 kilos semaine, imagine. Là, j'ai fait à peu près, là, quand j'étais arrivé, la première année, j'étais coaché par Kevin Després ici. Je faisais à peu près ça, 90-100 kilos. Puis là, quand Félix est arrivé, ben là, ça n'a pas été long. J'ai fait du 110-120, après ça, 130-140. Puis, tu sais, à ma quatrième année, je faisais du 160-170 l'automne, tu sais, pour le cross. Fait que ces différentes personnes-là sont arrivées au bon moment. Je pense que si Félix, je l'avais rencontré au moment où j'étais vraiment moldu au cégep, mais ça n'aurait pas marché pantoute parce qu'à ce moment-là, j'étais pas dans l'esprit de performance. Puis j'aurais trouvé ça trop difficile. J'aurais juste dit fuck off parce que j'étais pas rendu là. Mais le fait que j'avais déjà connu comme une belle progression, que mes entraîneurs m'en demandaient toujours de plus en plus. Puis qu'après, ben, Félix m'a pris où j'étais. Puis moi, à ce moment-là, ben, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Entre ma deuxième et ma troisième année universitaire, de me dire, OK, là, si je décide d'arrêter là, est-ce que je vais pas m'en vouloir de ne pas être vraiment allé voir qu'est-ce que je valais? Puis j'ai bien fait parce que, tu sais, à ce moment-là, mon PB c'était 8,59, puis genre, finalement, genre 5 ans plus tard, c'était mon pace 10, là, tu sais, fait que. Ouais. C'est ça, là. Toutes ces intervenants-là ont eu une influence, puis ben, ma copine aussi. Genre, le fait qu'elle soit prête à faire des sacrifices. Qu'elle m'épaule là-dedans, puis pas juste qu'elle l'accepte, mais qu'elle soit là-dedans à 100%, puis qu'elle aime ça, que je fasse ça, puis elle voudrait pas être un facteur limitant pour moi là-dedans. Ben, je suis extrêmement chanceux de ça parce que j'aurais très, très bien pu connaître une fille qui. Si elle avait été complètement désintéressée, puis j'avais l'impression qu'à toutes les fois que je vais courir, ça l'a fait chier. Ben clairement, ça aurait été un deal breaker pour moi, soit pour la course ou pour la fille. Ouais. Fait que... Laquelle, la question? Ouais, ça dépend. Mais bref, ouais. C'est ça. C'est tout ça qui m'ont amené à aujourd'hui, là, ouais. à être capable de faire ce que je fais actuellement. Ouais, plusieurs facteurs, puis ça commence dès le plus jeune âge. Ouais. Oui, mais en tout cas, merci beaucoup. Ah oui, dernière question. Je veux savoir, là, ça va avoir l'air de quoi ton entraînement? Tu disais, tu avais dit que 160 kilos, ça va être une de tes petites semaines. Ben 150 pour les vergers. Ben en fait, l'année passée, je voulais faire 10 grosses semaines. Puis j'ai réussi à tenir finalement 153 et des poussières là, kilos de moyenne pour 10 semaines en préparation pour le marathon. Puis tu sais, je pense que c'était mon meilleur 10 semaines à vie. Là, parce que 10 semaines, c'est très long. Là, oui. Surtout d'entraînement j'avais marathon. J'avais déjà tenu plus que ça pendant des 6-7 semaines. Là, mais là, cette année, j'aimerais ça essayer de me rapprocher le plus possible de 160 de moyenne pour 10 semaines. Puis c'était 7 kilos là, de plus, c'est énorme. Là, c'est parce énorme. Parce que ta plus petite semaine va peut-être être aussi petite qu'à l'autre, mais ça veut dire que ta plus grosse, il va falloir qu'elle soit beaucoup plus grosse. T'es autour de quoi t'es plus grosse? Fait que, ben, là, mettons, dans 3 semaines, je suis supposé en faire une de 180. Fait que, tu sais, mettons, là, je finis 90. Après, c'est supposé être 120, 150, 180. Fait que c'est comme les 3 semaines, à peu près, qui me font le plus peur de ma préparation parce que tous mes bobos arrivent dans le moment où je monte mon millage. D'habitude, quand je suis à haut millage depuis une semaine ou deux, puis j'ai plus de tension, d'habitude, il n'y a rien qui apparaît, sauf si je fais des cabochonneries, que je rentre mon genou dans le cadre de porte. Mais, fait que c'est les 3 prochaines semaines, je marche un peu sur des œufs. J'espère que tout va bien aller, puis une fois rendu là, c'est de maintenir. Après, c'est juste de bien dormir, respecter les. Respecter les easy pace pour les recovery days, puis d'être focus pendant 70 jours de volume. Là, mais fait que c'est ça, faire 1000 miles en 10 semaines. Ouais. C'est, selon moi, là, j'avais aucune idée avant. J'avais aucune idée c'est quoi qui allait à travers. Par exemple, JS qui est dans mon club, quand il faisait son entraînement de marathon, j'avais aucune idée c'était quoi. Puis quand j'ai vécu, j'ai fait comme. C'est ça, là. Moi, j'ai trouvé ça tellement plus dur. Que n'importe quel autre type, quand je m'entraînais. Toi, as-tu trouvé ça, cette transition de que c'est comme vraiment une autre bête, l'entraînement de marathon, que t'es toujours fatigué, toi aussi, ou pas tant? Mais
je trouve pas ça plus dur faire un 170 avec une longue puis une intensité que faire un 140 avec deux tracks puis un prog. Tu sais, à trois grosses intensités taxantes, c'est que quand tu fais un entraînement, mettons, de 5 kg, ton intensité, elle va cumuler, mettons, 14 km. Tandis que si tu fais un entraînement de marathon, ton intervalle va cumuler, mettons, 32. Fait que, tu sais, ces kilos-là sont pas mal plus faciles à aller chercher, tu sais. Fait que moi, le plus que je fais d'habitude là, dans des grosses semaines de training de track, là, c'est ça, c'est 140. Puis je trouve ça aussi dur que rentrer un 170-175 en mode marathon parce que je fais beaucoup moins d'intensité à ce moment. Tu sais, toi, en fait, quand tu fais tes grosses semaines marathon des derniers build-up, ça tournait autour de 140, mettons. Ah, oh, même les plus grosses. Ben, ah oh, oui, le dernier build-up, ouais, 140. Mettons, okay. Si je regarde Montréal, là, je me suis rendu autour de 160, 170, puis je rushais là, dans ces semaines-là. Mais en tout cas, mais mettons même quand tu étais à 140, tu faisais 140, mais souvent avec deux grosses intensités d'intervalle, mettons. Mais un 140 avec deux gros intervalles, je trouve ça aussi dur que faire un 160 avec juste un intervalle parce que c'est vraiment plus taxant. Puis tes intensités sont toujours vraiment, vraiment tough. Là. Ouais. Fait que, en tout cas, moi, si je regarde à quand je courais universitaire, là, je trouve que j'avais la belle vie un peu. T'sais, oui, je suis forcé dans les entraînements puis tout, mais t'sais, ça, je faisais des 100, des 110. Puis... Ouais, c'est ça. Ça, je trouve, là, quand j'ai passé au 150-160, je suis comme tout le temps épuisé, je trouve que c'est quelque chose. Mais... Parce que toi, peut-être que vu que ta progression s'est faite vite, ben t'étais encore en augmentation de ton millage à ce moment-là. Ouais. Et moi, ça faisait déjà quelques années que j'étais je plafonnais habitué. À gros volume là-dedans, fait que j'étais déjà en train de faire des très très grosses semaines, même en mode plus court. Ouais. Fait que c'est moins pire. J'ai pas senti que j'ai nécessairement plus de fatigue. Mais t'es toujours fatigué de toute façon avec les enfants. De toute façon, c'est ça. Ouais. Juste plus de café. Juste plus de café. C'est ça. Bon ben sur ce, ben on va bientôt commencer à s'échauffer dans environ 30 minutes pour le 10 000 mètres qui s'en vient. Et c'est ça, tu as comme mandat de lapiner à 15-20 pour 5000 mètres. Ouais, puis après ça, s'il m'en reste, je vais peut-être essayer de relancer le pace un peu pour voir si les gars seraient capables d'aller souffler dans le cou un peu à François puis pas lui donner le choix de courir vite. Ça serait, moi, j'aimerais ça. Mais si je peux avoir du monde qui me chase, puis là, je suis comme tabarnak. Ouais. Faut que je pousse. Fait que, en tout cas, c'est sûr que tu n'as pas des conditions idéales là, à soir, mais en tout cas, moi, je voulais te le dire, là, parce que ça fait plusieurs fois là, que tu vises le 70, mais je pense que c'est impossible. Il y a eu plusieurs occasions où tu aurais pu le faire, mais tu étais dans des conditions, soit, mettons, que tu visais vraiment plus vite, puis ça coûte. Je pense que à Guelph, tu avais fait ton meilleur 10 000, là, selon moi, là, c'était au championnat canadien, il y a genre... deux ans, puis tu étais parti en 8,53, puis tu avais quand même réussi à faire genre 30,08 ou quelque chose de même, avec beaucoup de changements de rythme puis une course de championnat. Fait que tu sais, c'est juste qu'on n'a pas connu nos meilleures courses dans le même genre de course. Moi, je piquais à ma course en avril, puis j'arrivais au championnat canadien, puis j'étais rendu déchet. Fait que j'avais quand même pas mon statut élite parce que j'avais pas mon maudit top 8 au Canadien. Mais le top 8. Non, c'est ça, c'est d'être à la bonne course puis de racer d'avoir des gars puis racer steady là, pas les courses de championnat, c'est pas facile viser. C'est un peu le beurre puis l'argent du beurre là, tu sais, toi tu voulais faire une bonne position puis un bon temps, mais des fois ça va arriver quand la course est parfaite que ça va, mais c'est ça, là, c'est pas non, d'habitude c'est ça, d'habitude mais les courses en championnat c'est position. C'est impressionnant aussi de voir comment en partant des fois puis en étant capable d'accrocher des gars vraiment vraiment très fort, tu réussis à sortir des bonnes courses. Ouais. Ben ça c'est tout à ton honneur là, fait que même si techniquement tu n'as pas brisé le 30, ben tu as fait des courses qui le valaient, mais c'est le fun de l'avoir. C'est ça, j'aimerais ça. Le 29, moi, ça me gosse, là. Ouais. Tu sais, d'avoir fait 3-4 fois des 30 et quelques pinottes, là.
mettons, j'aimerais ça l'avoir. Je sais pas si je vais l'avoir à soir parce que, c'est ça, comme tu dis, fait chaud, puis je risque d'être tout seul en avant parce qu'il y a Bussière qui va me faire un 9. Ouais, c'est ça, puis c'est pas les 3 kilos les plus charnières. Là. Si, non, si, c'est ça. Ouais, c'est si ça se pouvait, mettons qu'on avait, on avait le droit avec les règles de l'athlétisme, il faudrait qu'ils partent au jog, ouais. Qu'ils te, ils te pèsent ouais. De 4 à 7. Mettons, moi, je le prendrais. Hey, moi, je le prendrais. On n'a pas le droit. Mais c'est ça. Ouais, non, c'est le premier 3 kilos, ouais. Mais c'est ça. Ben, je vais essayer de. Le reste derrière. Dis, de pas, c'est ça, de rester derrière, pas trop m'exciter. Ben, je mais toi, pas sur son épaule, à moins. Parce que d'après moi, il est habitué, il va être capable de faire sa job. Ah ouais. Fait que profite. Profite du rabbit non, pour te reposer mentalement. Puis... C'est ça. J'ose avec John, il dit je fais 3000 derrière lui, je suis pas dans une course. Puis après ça, quand 3000 est fini, il est plus là. Ok, la course commence. Ouais. Essayez de penser de même, on va voir comment ça va aller. Mais super. En tout cas, merci de un d'avoir accepté mon invitation. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui avaient hâte de te recevoir, d'écouter ce que tu as à dire. Justement parce que c'était un des top marathonniers au Québec. Puis. Il y a beaucoup de monde qui suit le marathon. Et puis en général, il y a beaucoup de monde, je pense qu'on a eu beaucoup de réponses à ce post. Comme pas juste de questions, mais aussi de monde excité de savoir qu'est-ce que tu avais à dire. S'ils veulent suivre mon entraînement marathon, je mets tous mes entraînements sur Strava. Fait que, yes. Ils peuvent suivre ça. Ouais, on y cache rien. Vous pouvez voir la vitesse de ces easy jog. Que moi, ça me fait freaker, mais crème, tu te blesses pas. Crème. Ouais, non, c'est ça. Faut continuer à faire ce qui est une recette gagnante, on la change pas. Puis c'est ça. On va te chier du bois. Puis, ouais, puis c'est ça. Puis ben, merci de pacer ceux qui vont faire ça. On a besoin, ça prend des lapins dans un 10 000 parce que sinon c'est l'enfer. Ouais, l'année passée, je l'avais fait pour toi puis Chris. Ouais. Puis, ouais. J'aime bien ça faire ça. Ça me donne un bénévolat pour mon club. Ah, c'est ça, vous avez des heures de bénévolat. Ouais, ben c'est des nombres de bénévoles. Ouais. Ça, moi, si c'était des heures, ça serait pas payant. Ah, ouais, 15-20 versus pas trop payant, ouais. Une journée de bénévolat de 8 heures, mais moi, ça vaut la même chose. Ok, que, bon, je vais le prendre. Ça te ferait un workout pas pire aussi. Ouais, c'est ça. Cool. Ben merci beaucoup. Puis sur ce, on va se préparer. Ouais, ben bonne chance, François. Merci. All right. Je laisse runner quelques secondes juste pour pas que ça coupe un peu de la fin parce que des fois ça fait ça. Bon! Ah, on a fait quand même un bon. Je pense qu'on est environ une heure et demie quasiment. Quand même. Quand même. Oh man, c'est déjà l'heure de la course. Moi dans ma tête, j'allais arriver ici, j'allais comme avoir trop de temps, j'allais m'avancer dans mes travaux. Puis finalement, je suis arrivé à genre 5h10. Le Doan est arrivé, on a joué aux échecs. Il fait quoi à lui, Doan? Il fait le 10 000? Ouais, il fait le 10 000 aussi.